tout le monde. Alors voilà ma première vidéo pour 2018. Alors d'abord pour vous souhaiter à tous une très très bonne année 2018, bien sûr, qu'elle vous apporte plein de bonheur, plein de que vous ayez une bonne santé, plein de sous-sous, que vous fassiez plein de créations, voilà, qu'elle vous apporte que du bonheur, voilà, pour vous et votre famille bien sûr, donc que vous n'ayez que du bon. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que vous n'allez pas avoir de création aujourd'hui, voilà, vous voyez Fifi qui vient vous souhaiter aussi une bonne année. Je viens vous parler de mon cadeau de Noël. Voilà, moi l'année 2018 commence très très bien. Voilà, donc moi j'ai passé un très très bon Noël. J'ai fait juste avec mon chouchou. Voilà, on l'a fait qu'à deux. Et donc on a fait ça très très simplement, hein. On s'est fait un petit repas amélioré, bon, devant la télé, mais ça nous a suffi. Et par contre j'ai eu un super cadeau de Noël, voilà. Alors le cadeau de Noël, c'était dans un sachet rouge, voilà, donc je vous montre, voilà. C'était, vous la voyez peut-être pas bien, voilà, c'était cette bague, voyez, donc attends Fifi s'il te plaît, donc c'était cette bague, elle était accompagnée de boucles d'oreilles, donc là c'est à mes oreilles, avec une jolie carte de Noël, et dans cette carte de Noël, mon chouchou me demandait en mariage, voilà, donc mon cadeau de Noël ça a été une demande en mariage. Donc bah, ça a été mon plus beau cadeau, donc j'ai bien sûr j'ai dit oui, hein. Voilà. Alors dans la petite histoire, on a déjà été mariés tous les deux, on a divorcé, on a été séparés 2 ans ou un peu plus de 2 ans, et on s'est remis ensemble il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans aussi. Et donc là, bah, il m'a redemandé en mariage. Donc là, ce sera le dernier mariage. donc je suis super, super contente. Voilà. Donc je voulais partager ça avec vous. Fifi est énervée. Voilà. Donc là, du coup, là, bon, avec les fêtes, tout ça, bon, j'ai pas fait de création. Non, Fifi, s'il te plaît. J'ai vraiment fait de création, mais là je vais en faire parce que bah, du coup je commence déjà un peu à préparer le mariage, un peu à chercher. On va faire un mariage assez simple, hein, un peu dans l'intimité. Niveau famille, on va être quoi, une quinzaine, et il y aura quelques amis. Oh, arrête Fifi, allez descends parce que là t'es embêtant. Non. On va être dans quelques années. 2018 l'a pas empêché d'être plus calme. Hein. Donc, on pense être entre 25 et 30 personnes. Donc, en plus, ce sera vraiment mon premier vrai mariage. Parce que bon, moi, j'ai déjà été mariée une première fois avant. Donc ce sera mon troisième mariage, mais mes deux mariages avant ont été faits un peu à l'arrache, c'est à dire que je me suis mariée sans famille, sans témoins, les témoins c'était des secrétaires de mairie, et sans repas, voilà, pas de robe de mariée, pas de repas, pas de fête, rien. Donc là on va quand même faire du coup une petite fête, suivant nos finances, hein. Bon, je ne mettrai pas de robe de mariée, non. Ça par contre j'en veux pas,
Puis de toute façon, au bout du troisième mariage, je trouve que bon, la robe de mariée n'est plus tellement de circonstances. Moi, je vais me mettre en tailleur pantalon. Pourquoi pantalon? Ben, parce que je ne mets jamais de jupe, jamais de robe. Donc je serai en tailleur pantalon, mais je vais m'en trouver un joli. Hein, voilà. J'aurai quand même un bouquet, donc chose que je n'avais pas à mes autres mariages, j'avais pas de bouquet non plus. Voilà, donc ce sera là un joli mariage. Donc j'ai commencé déjà, fille, arrête. J'ai déjà commencé à chercher un peu. J'ai déjà trouvé les petites figurines pour mettre sur le gâteau. Quand je les recevrai, je vous les montrerai. Elles sont super rigolotes. Parce que je ne veux pas faire non plus trop dans le traditionnel. Je veux qu'il y ait une pointe d'humour. Dans mon mariage. C'est assez rigolo. J'ai déjà trouvé aussi les serviettes qui sont assez rigolotes aussi. Là, les alliances, on a déjà des petites idées. Ça, je pense qu'on ira les chercher le mois prochain. Et du coup, là, je commence à faire mon. Vous voyez, vous vous rappelez de ces carnets-là, justement, qu'on avait eu Action. En plus, bah, ça, il est d'actualité, hein. C'est marqué Love dessus. Donc, ce carnet me sert à tout noter. Les prix, tout ce que je ne dois pas oublier, parce que moi je dois refaire ma carte d'identité, j'ai marqué la carte d'identité, ne pas oublier les alliances, le dossier de mariage, commander les gâteaux, téléphoner pour les locations de salle. Alors ça, j'ai téléphoné, donc on oublie la salle, on va faire ça chez moi, chez nous, puisqu'on habite ensemble, parce que les salles, c'est hors de prix. J'ai halluciné, c'est même pas la peine. On a téléphoné, il y a des salles c'était à partir de 200 euros. On me disait qu'on pouvait aussi louer des cantines d'école. Je me suis dit, les cantines, ça doit être moins cher. Oui, bien sûr. Alors, les cantines d'école, c'était à partir de 500 euros. Avec interdiction de faire à manger ou de réchauffer. Je dis non, c'est même pas la peine. Malgré que de toute façon, je fais un apéritif dînatoire, je fais un petit buffet. On sera aussi bien chez moi à faire ça. De toute façon, je vais faire avec des assiettes jetables. J'ai déjà repéré les assiettes, tout ça. Donc ça, je vais les acheter à Auchan. J'étais voir les prix hier, ça me coûte pas beaucoup. La location de salle, c'est barré, ça c'est mis à l'eau. Les dragées, parce que ça j'y tiens, faire les dragées, bon c'est peut-être un peu ringard, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais faire les dragées. J'ai une amie qui m'offre les petits pochons en tulle, qui me les offre pour le mariage. Moi j'aurai que les dragées à acheter. Au passage, merci ma poulette. Voilà. Je dois commander mon bouquet de mariée. Et en même temps, comment on appelle ça? Pour mon chouchou, la boutonnière. La boutonnière en fleurs aussi pour mon mari. J'ai même marqué rendez-vous. Prendre rendez-vous coiffeur. Le rendez-vous à l'esthéticienne, le rendez-vous pour les ongles, faire des beaux ongles quand même, voilà. Après, j'ai préparé aussi la liste pour l'apéritif dînatoire, j'ai marqué tous les prix, comme ça j'ai pas de problème. Les boissons, ce que je dois acheter en plus, parce qu'il y aura des enfants, les chips, les biscuits, des choses comme ça. Les gâteaux, je vais voir si je prends à Auchan ou si je prends chez un pâtissier, parce que les prix sont pas les mêmes non plus.
Chez un pâtissier, c'est 4,20 € la part. Et à Auchan, c'est entre 1,50 € et 2 € la part. Mais bon, comme vous allez me dire la même chose que moi, je pense, c'est pas pareil, ça n'a pas le même goût. Donc, je vais aller voir chez le pâtissier s'il peut me faire deux petites parts pour qu'on puisse goûter. J'ai noté aussi pour nos vêtements. Donc là, on avait été voir. Bon, c'est pareil, on ne peut pas mettre beaucoup. Donc, alors, on parle de Tati parce qu'ils ont un rayon mariage. Tati, il y avait des beaux costumes pour hommes. Le costume, juste simplement le costume. Donc la veste et le pantalon coûtaient 100 €. Bon, je pense que c'est le prix normal d'un costume. Et donc il aurait fallu rajouter la chemise, la cravate, voilà. Mais pour moi, ils n'avaient rien, parce qu'ils n'ont que des robes de mariée chez Tati. Et du coup, après, on a été à Primark. Et à Primark, là, par contre, ils ont pour moi, et ils ont aussi pour mon chouchou. Et là, pour 100 €, on a le costume, la chemise, la cravate, les chaussures, la ceinture, des petits accessoires supplémentaires pour le prix du costume de chez Tati. Donc, ben, on va aller chez Primark, ça. Voilà, et ils sont super beaux les costumes. Donc, on va acheter nos vêtements là-bas. Ensuite, il y a les faire-part. Donc, ça, les faire-part, ben, je vais les faire moi-même. Hein. En faisant du scrap, ça aurait été bête de faire les faire-part alors que moi, je peux les faire. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai déjà reçu, j'ai commandé un tampon. J'ai reçu. Donc je vais faire des essais de faire part, en faire 2-3, voir lequel ben, je vous les montrerai. Et ben, je vous ferai un petit vote. On verra lequel aura le. Vous me direz lequel vous plaira le plus. Et puis c'est celui qui aura eu le plus de votes que je ferai. Voilà. J'ai déjà préparé également le texte de mes faire-part. Voilà. Donc vous le découvrirez en même temps que quand je vous montrerai les faire-part. Je suis déjà aussi en train de préparer des cartes de remerciement. Vous voyez, je suis à fond, à fond, à fond. Voilà. Et là, j'ai commencé aussi à calculer pour la vaisselle. Voilà. Donc vraiment, j'ai tout préparé. Donc je suis à fond dedans en ce moment. Donc là maintenant, il nous reste à remplir le dossier de mariage, à choisir la date. Le mois, on l'a. Donc ce sera avril. Et là maintenant, il faut qu'on choisisse la date, voir que nos invités sont libres ce jour-là. Donc on va essayer de choisir deux dates et voir que tout le monde est libre à ce moment-là. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous annoncer la bonne nouvelle, mon cadeau de mariage, mon cadeau de Noël. Donc c'était la demande en mariage. Et donc là, pareil, bon, j'ai pas fait de liste de mariage. Parce que bon, comme on vit déjà ensemble, on a déjà tout ce qu'il nous faut au niveau ménager. Hein. Souvent, les listes de mariage, c'est avoir de la vaisselle, avoir des choses comme ça. Donc, j'ai ouvert une cagnotte pour ceux qui veulent nous offrir quelque chose. Je trouve que c'est plus simple. Au moins, on ira s'acheter ce qui nous manque ou ce qui nous fera plaisir. Voilà, bon, à l'occasion, bon, je sais que j'ai des amis qui veulent participer. Donc, bah, je mettrai le lien quand même en dessous de la vidéo, si certaines d'entre vous veulent nous faire un petit cadeau. Mais bon, c'est vraiment sans aucune obligation. Je précise parce que bon, quand j'ai ouvert cette cagnotte, je me suis déjà fait insulter. Voilà.
Donc, je me suis déjà fait insulter sur mon Facebook parce que j'ouvrais une cagnotte pour mon mariage. Les mariés ouvrent des listes de mariage. Je vois pas pourquoi insulter les gens parce qu'ils ouvrent une cagnotte au lieu d'une liste de mariage. Mais bon. Que voulez-vous? Il y a des cons sur Terre, ça changera jamais, hein? Mais bon, comme je dis, nous on est déjà installés, donc c'est pas comme si on devait tout acheter et qu'on avait besoin que la famille nous aide à tout acheter. Voilà. Donc voilà, je voulais partager. Oh, regardez ma fifille en gros plan. Donc je voulais partager avec vous cette superbe nouvelle. Voilà. Donc cette semaine, vous aurez des vidéos hein, avec des créations. Donc, il y aura des essais de faire part que je vais partager avec vous et je vous demanderai de voter pour celle qui vous plaît le plus. Je vous montrerai en même temps les petites figurines pour les gâteaux que j'ai choisis. Oh, donc les gâteaux pour les figurines, je vais sûrement prendre un gâteau au chocolat et un gâteau aux fruits ou plusieurs. Parce que tout le monde n'aime pas le chocolat, tout le monde n'aime pas aux fruits. Au moins comme ça, il y en aura pour tout le monde. Je pense aussi peut-être prendre un merveilleux, parce que les merveilleux, ça plaît. Donc on verra. Et pour le buffet, pain surprise, des canapés. Moi, de mon côté, je vais certainement faire des œufs mimosa parce que ça plaît aussi. Et après, je sais pas, des petits carrés de pizza, des choses qui se mangent à la main. Et voilà, qui sont faciles, que je mets tout sur la table et tout, chacun se débrouille. Voilà. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette superbe nouvelle. Donc je commence bien 2018. Et j'espère que ce sera comme ça pour toute l'année. Et donc voilà, vous aurez bientôt d'autres vidéos. Au passage, je remercie aussi toutes celles qui m'ont envoyé des cartes pour Noël et pour Nouvel An. Je les montrerai dans une autre vidéo. Ça m'a fait très plaisir. Donc il y a des abonnés qui m'ont envoyé des cartes. Alors, je vous remercie toutes. Moi du coup j'ai pas eu le temps du tout d'en faire encore. Mais je ferai des cartes là bientôt. Voilà. Allez, je vous fais à tous et toutes de gros bisous parce qu'il y a des messieurs hein, sur ma chaîne comme Antman par exemple. Les autres, désolé, j'ai oublié votre nom. Mais bon, je sais que vous êtes sur ma chaîne. Et donc, je vous ferai des vidéos pour vous donner la suite des événements pour le mariage. Ce que je prépare, et voilà, si ça vous intéresse, bien sûr. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt.